Yo Matalo, c'est Tao et aujourd'hui les amis, on est en facecam. On est en facecam, on est dans mon appart. Il y a une vidéo qui va arriver à ce sujet dans longtemps. Parce que j'ai pas de canapé, donc j'ai pas envie de rester assis sur un tabouret pour faire des vidéos. Ça fait très mal au dos. Bref, passons au sujet sérieux. C'est une vidéo qui n'a pas de rapport avec Minecraft, pas de rapport avec le gaming, mais qui a quand même un rapport avec le gaming. Je vous ai tous perdus. On recommence. Dans cette vidéo, on va parler d'une actualité qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Quelque chose qui est en rapport avec le président, monsieur Emmanuel Macron, président de la France, en 2022, au moment où je tourne cette vidéo. Et avec le Z-Event, donc de 2022, le Z-Event qui a eu là, les jours avant où je tourne cette vidéo. Là, aujourd'hui où je tourne la vidéo, on est le jeudi de la semaine après le Z-Event, donc vraiment c'est tout récent. Et il y a une sorte de petite polémique qui a fait pas mal de tours sur Twitter et je voulais en parler en vidéo parce que c'est un truc qui m'intéressait. Je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Tout simplement Macron qui a fait une vidéo longue, chiante, très chiante. Savoir que j'aime bien Macron, mais là, chiant, vraiment chiant, très chiant, trop long. Et en gros, il dit c'est bien ce qu'ils font, parce qu'en gros, le Z-Event, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui ne connaissent pas, c'est pas grave les amis, c'est pas grave les BG, c'est pas grave, je vais vous expliquer, Tao est là pour vous. Alors le Z-Event, en gros, de base, c'est des streamers qui font pendant 3 jours, qui se regroupent déjà, qui font des streams quasiment non-stop, ils se tuent vraiment pour faire des streams, pour rassembler un maximum de thunes, pas pour eux, pas pour partir en vacances à Ibiza, pas pour s'acheter les meilleurs setups, non, que nenni, eux, ils ne touchent zéro. Ce qu'ils font, c'est qu'ils versent tout à une ou plusieurs associations. Alors, le Z-Event dernier a fait un gros buzz parce qu'il y avait des guests, des streamers, en gros, ils streament, ils se font des défis, chaque palier a des dingueries, tu vois des gens qui passent déguisés en poulet, enfin, pose pas de questions, c'est incroyable, le Z-Event. Si un jour j'y suis, ce sera un objectif de vie incroyable, mais on n'y est pas encore. D'ailleurs, GG à eux, GG à vous les gars, même si je sais que aucun ne passera ici. GG, ce que vous avez fait, c'est incroyable, et si j'avais les moyens de faire ça, mais qu'est-ce que j'aimerais le faire? Franchement, qu'est-ce que j'aimerais le faire, aider les autres? C'est incroyable, surtout quand tu peux le faire avec ta passion. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et ils se tuent, vraiment ils se tuent, c'est-à-dire qu'ils dorment très peu, ils ont la voix éclatée, ils prennent des médicaments pour pouvoir continuer à parler malgré le fait que leur voix, ils la perdent les amis, ils ne deviennent pas muets, mais ils ne peuvent plus parler pendant des jours parce qu'ils ont la voix éclatée, ils ne dorment pas, c'est inhumain ce qu'ils font. Ils se tuent à la tâche, à être à 100% H24 pour une cause. Cette année c'était le climat. Ils ont fait cette vidéo, ils ont fait le Z-Event En gros, la somme était divisée en deux associations et il y en avait une qui était juste là pour parler d'elle. Cette association pour lutter contre le climat, il y avait en mode la fonte des glaces ou je sais plus quoi, un truc. Enfin, moi, j'aime juste le Z-Event et je t'avoue que je ne suis pas trop attardé sur les associations. Bref, il faut retenir que ces associations qui sont écologiques, qui sont contre le réchauffement climatique, l'écologie qui est en train de faire tout. Eux, ils veulent plutôt que ça fasse tout, que ça monte. Bref, et Macron a fait une vidéo où en gros il a dit « Oh, c'est bien ce que vous faites, continuez, ne lâchez rien, je vous félicite. » Et il y a eu deux streamers du Z-Event qui ont réagi à ça et ils ont été cash. Et d'ailleurs, même si personnellement j'ai rien contre Emmanuel Macron, j'avoue que là ce qu'il a fait en gros, c'est qu'il a utilisé cette fame qui est autour du Z-Event qui vise du coup un public qui est sur Twitch, et je fais une généralité, les gens qui sont sur Twitch, c'est souvent des gens qui sont jeunes. Et les jeunes, c'est un public que Macron a du mal à conquérir. McFly et Carlito, concours d'anecdote, ça l'a aidé, mais dès qu'il peut, quelque part, gratter un petit peu, il gratte. C'est ce qu'il a fait, c'est le but de ce tweet, sauf que les streamers, ils n'ont pas laissé passer ça. Il y a eu deux streamers qui ont réagi, une streamer dont je ne connais pas le nom, je suis désolé, je ne peux pas connaître tout le monde, et il y a eu Antoine Daniel. On va commencer par la streameuse, voilà ce qu'elle a dit à ce sujet. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Bah oui, tu comptes sur nous, connard. 2024. Bah oui, parce que tu vends le rien. Merde. Oh, si bonne seulement t'avais les moyens de faire quelque chose. Merde. Oh, ça me rend fou.
Ah non, mais faut perdre Fifi sous la douche pour sauver la planète, oui. Ah merde. Oh. Oh merde, je suis énervée. Vas-y. Vas-y, nique sa mère. Je suis trop énervée. Donc voilà, vous pouvez voir qu'elle a pas mâché ses mots. Certains diront « elle est hystérique ». Non, elle n'est pas hystérique. Enfin, elle a dit les choses parce que ça l'a vraiment saoulée, ça l'a touchée. On rappelle que ces personnes enchaînent 3 jours non-stop à se tuer la santé. Ils se tuent, ils donnent tout leur mental. C'est un combat qu'ils font pour des associations qui vont du coup sauver le monde. Ils touchent rien, ils gagnent rien, enfin, à part des bons souvenirs. Et ils se sentent mieux après dans leur cœur. Mais voilà. Et là, quelqu'un qui profite sur leur dos, ça, ils n'ont pas du tout aimé. Et c'est pour ça que je comprends totalement ce qu'elle a dit. Et ensuite, les amis, accrochez-vous. Antoine Daniel, le GOAT, a réagi également. Ils étaient tous les deux en stream à ce moment-là. Voilà sa réaction. Tous les ans, son putain de tweet de merde à ce bâtard. Tous les ans, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre putain de dos. J'en ai rien. Vraiment, ça me casse les couilles. Enfin, la promo. Le mot, c'est plus propagande, tu vois, mais... Mais ça me casse les couilles. On n'a pas demandé ça. Et j'ai vu même, là, j'ai maté les tweets réponses. Il y a quelqu'un qui dit la même chose que moi. Et une personne lui répond... Une personne lui répond, oui, mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement, non. Franchement, non, qu'il ferme sa putain de gueule. Je veux qu'on sache que depuis The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Donc va te f... Lui, clairement, il a dit les termes, les amis. Il a dit les termes. Alors, j'allais dire, je prends pas parti. Mais d'un autre côté, Macron, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est bien. C'est bien qu'il fasse ça, nickel. Des gens, des boomers vont peut-être se dire qu'est-ce que c'est The Event, le président en a parlé, allons voir ce que c'est. Mais d'un autre côté, il fait aussi ça pour toucher les jeunes, et ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Je trouve ça même carrément dégueulasse de faire ça sur le dos des streamers. Voilà, donc chacun y a ses raisons, chacun voit ce que vous voulez. Moi, j'étais juste là pour vous expliquer un petit peu ce qui a fait parler de The Event en mal. Voilà, encore respect à tous ceux qui ont fait les Z Event. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, et rien à voir, mais je vais stream sûrement en octobre ou en décembre, tous les soirs sur Twitch, Tao Patalo. Allez voir ça, ça ferait plaisir. Et si jamais vous vous abonnez, peut-être que je compte stream tous les soirs, peut-être que je vais finir aux Z Event un jour et que je serai en mesure de parler de ça en étant concerné. Sur ce, c'était Tao. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le partage. En soi, oui, je profite aussi sur leur dos pour faire cette vidéo. Suis-je meilleur qu'Emmanuel Macron ? Débattez-en en commentaire, c'est à vous. Et à la prochaine, bande de BG.